Salut à tous et à toutes! On se retrouve pour le prochain épisode de Remnant, le 26! Mais oui, mais pourquoi un 2 et un 6? Bah parce que c'est la suite du 25! Bien évidemment! On se retrouve, donc on était à Poudlard! Voilà, donc je retourne, je remonte en 2 spi. Hop! Patati patata, on revient ici. Voilà, on était à Poudlard, on vient d'arriver à Poudlard, et là j'allais chercher le choix pot en fait. Parce qu'il faut bien que je sache dans quelle maison je vais être. Allez! J'arrête ça tout de suite. On avance! On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Ouais, on va voir. Alors, on a de la grotte. On a la grotte, des stalagmites, des stalactites. Des stalactites. Ouais, lol. Alors, là, je tombe, je meurs. Je meurs. Je meurs, hein, oui. Oui, je meurs, je meurs. Ah, oh. Oh. Wow. Mais c'est, je te connais. Je te connais. Tu sais, t'es qui? T'es sur la chaîne guide du jeu. Regardez, je suis arrivé du... Et maintenant? Comme c'est intriguant. C'est toi qui intrigante. Il s'avère que ce monde corrompu n'est pas encore dénué de surprises. Oui, 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 oui. Je vous salue alors. Salut. Je vous souhaite la bienvenue dans le royaume des failles. Ah bah merci, fallait pas. Ce qu'il en reste. Je suis ah. Nimue. Salut enfin, Nimue. Voyante, déesse des failles. Et conseillère du vrai roi, ou je l'étais en tout cas. Mon don reste de voir ce qui ne peut être vu, et de forger ce qui ne peut être forgé. Genre le caillou. Alors, être étrange, qu'est-ce qui vous amène devant moi ? Être étrange, j'aurais dit, étranger. J'arpente les mondes en quête de puissantes créatures. Détiennent quelque chose que je recherche. Vous n'êtes pas la seule âme en quête de réponse. Quoi? Il y en a une autre. Mais non. Un citoyen de ces royaumes jumelés. Mais non. Et la réponse que je lui ai donnée est celle-là même que je vous donne. Tu vas t'enculer? Non. Vous êtes comme une proie aux yeux d'une créature sans pareil dans ce monde. La jadis sublime, Tisnuit. Oh, si elle est sublime, je veux la voir. Alors là, la Tisnuit. L'odeur est aussi forte sur vous qu'elle l'était sur lui. Ah c'est bon, je me suis lavé. Vous ne pouvez pas lui échapper. Elle n'est peut-être pas encore à votre poursuite. Suis-toi. Mais elle viendra. C'est moi, je vais te poursuivre. Si elle vous trouve, vous ne survivrez pas. À moins que vous la chassiez avant. C'était mon but. Trouvez-la, être étrange. Apportez le cœur d'une de ses récentes victimes dans son royaume. Et éliminez-la avant qu'elle se mette en chasse. Peut-être est-elle le genre de puissante créature que vous recherchez. Je peux vous envoyer sur son terrain de chasse. C'est la seule aide que je vous accorderai. Oh, bon, plus un fardeau. C'est une assistance. Que j'ai un cœur, qu'est-ce que j'en fais? Je suis prêt, envoyez-moi dans. Ainsi allez, on va on démonter. Être étrange. Wow, elle va nous foutre. Putain, je regarde, elle va nous foutre une grosse tarte là. Je vais vous en voir. Ah dans ta gueule. Ah, elle nous a envoyé bien loin, tiens. Elle nous a envoyé valdinguer. Bah putain, on la voit sur le... Mais moi, j'étais bien là, dans le Poudlard, là. Pourquoi il me ramène ici? Ah, faut peut-être que je... Je vais juste peut-être prendre ça, on sait jamais. Hop là. Je suis un caillou rouge. C'est parti, on reprend la mitrailleuse. La mitraillette. Salut bon. C'est moi Udo. Putain, les... Le Corbax. C'est moi. Et... J'ai entendu un cochon. Ça fait... Wow. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Où est-ce que... Oui. Oh bah eh. Oh bah salut toi. Oh je me prends un petit 1 là, 2 secondes. C'est un cochon de... Oh. Oh, putain mais... Ouais. Il est où le truc de ces grands morts là?
Allez, je me remets la vie, je... Oh putain, si je m'attendais à ça... Mais faut que je démonte, non? Il est où? Putain, mais c'est quoi cette dinguerie? Putain, mais je suis en train de me défoncer mes 1! Il est où? J'ai entendu se poser! Oh l'enculé! Et putain, laisse-moi, quoi! Tu m'en personne! Mais je l'ai esquivé! Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'y arriverai jamais. J'ai mis midlife, au secours! J'ai mis midlife, je me suis enculé tout le reste de ce que j'avais. Et c'est un monstre, mais que dis-je? Une horreur. Oh bah... vous savez quoi, le temps qu'on est là... What the fuck, j'ai plein de nouveaux trucs! Il est où le fusil de précision? Ça doit être celui-là, je crois. Je crois que c'est celui-là. Je sais plus, on va prendre celui-là. C'est pas mal de dégâts, hein. Ils arrivent. Ouf. C'est rigolo. Ah, ça fait une façon de jouer, ça, je trouve. Ah, je me suis éclaté sur Cyberpunk hier. J'ai ouvert une nouvelle façon de jouer, c'était excellent. Je m'attaque pas, ça. Hein. Les cochons de con, c'est tout. Hein. Oh, dans le doute. Non, franchement, dans le doute. Dans le doute, je sais jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Ah. Je peux rien prendre d'autre. Oh. Ok, maintenant que j'ai fait tout ça, je me suis éliminé. En rigolant, j'ai dit. Oh. Elle est où la dernière allure de me revengeresse là? Mais vous voyez les joueurs? Oh, il y a des déglingos ici, hein. Je recharge. Mais du coup, l'autre, il va me ressauter dessus, j'imagine. Ça me semble tout à fait logique qu'il me saute dessus, non? Oh, toi encore! Ça, c'était sûr. Bon. Et du coup, l'autre machin, là, qui me démonte. La vache.
cochon. Je fais pas confiance à ces bêtes là, je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il va y avoir le truc de psychopathe là? Alors, deux secondes. Alors je me prépare à chaque moment que le truc me ressaute dessus. Mais... Non, trop bizarre. Franchement, ce qui s'est passé, c'est trop bizarre, le truc qui m'a sauté dessus, là. Espèce de chevalier. Chevalier, chevaleresque. Oh, escalier. Waouh. Ça ne sent pas des escaliers, ça. Ouais. Et du coup, il va plus me ressauter dessus. Ça me semble bizarre, cette histoire. Je me sens pas à l'aise. Je me sens toujours sous l'ombre. Wow. Bon alors ça. Je me sens constamment sous l'emprise de ce truc là en fait. Et c'est parti. Ils sont beaucoup là. J'ai envie d'amuser avec le sniper, mais le problème c'est que là, le temps que je les tue tous, ils vont revenir. Oh salut. Déjà bien d'être bien parti quoi. Ouais, j'ai trouvé un nid, c'est quoi ça? Là ça me tire de l'autre côté. Ah bah y'a des munitions du coup. Bah, attends. Munitions Je fais pas attention aux munitions. Non mais je suis pas à l'aise, vraiment, et je sens qu'il y a un truc qui va me sauter dessus. En plus, l'espèce de mini-boss, le cheval reste quoi. Il y avait quand même une barre de boss. Hein. Franchement, je pense qu'il s'il devait respawn, mais j'aurais galéré comme jamais. Hein. Franchement. J'entends des bruits. Et des bruits suspects, genre. Hop. C'est pas le moment de paniquer. Attendez. Oh. Une balle qui m'a. Oh. Oh non, pas toi. Oh, salut toi. Oh. C'est quoi ce bruit là? Wouah, c'est quoi cette dinguerie là? Il avait l'air costaud, hein. Mais bon, j'ai foutu un coup de F, je l'ai mitraillé, et l'autre lui a envoyé des bombes. Gros travail d'équipe. Ça m'est bien. Ça m'est super bien. Non. Hop là. Et ça, c'est pour Bibi. Ouais, pour aller me faire encore péter le cul, même pas en rêve. Il y a du bruit, là. Il y a du grabuge, hein. Grabuge fait des bombes de traction. Bon, alors? Oh! C'est génial. Alors, faut que j'aille. Sûrement par là. Ok. Salut! C'est moi!
Choupi. Ça met bien ça. Oh, y'a un là, y'a un coffre. Oh, la dégâtance. Pas du tout. Dégâts rouges, je sais pas quoi, j'ai pas compris, je connais pas. Ok, c'est parti. C'est parti. Oh, il est là. La saloperie qui m'a... Alors là... Putain, écoute, on va pas se occuper. Ah, ça va, putain, mais ça, comment j'évite? Et je suis remords. Mais ça va pas se passer comme ça, hein. Ça, c'est mort, hein. Putain, je lui ai foutu un max en plus au début, là, au spawn. Parce qu'il y a ces saloperies là aussi. Ils m'ont pas fait beaucoup de dégâts, mais ils m'ont cassé les couilles. Je prends déjà connaissance de ce qu'il y a autour. Ok. Y'a pas grand chose. Bah, je pense qu'on est on est parti. Est-ce que je prends un truc que je mets quelque part? Non, je pense que ça va partir sur un F et un Q. Hein. F, Q. Putain, j'étais contre le mur. Ah putain, y a un trait sur le sol, ok. Ah putain, le poison qui m'achève. Non mais celui-là est hardcore. Celui-là... Il est chaud patate, hein. Après, je pense que si j'évite l'espèce de mur de lumière qui m'envoie à chaque fois dans la gueule et que je l'évite pas, je pense qu'il y a moyen que, genre, je m'en sorte. Il faut que je tire sur le mec, parce que le mec, il prend plus de dégâts, ok. En fait, il fait un tour complet, ok. Il est où? Oh putain! Ah putain, celui-là je l'ai pas évité du tout. Ça sent pas bon. Déjà il en fait deux et j'en ai pas évité un seul. voyons voir.
Mais par contre, c'est vachement bien parti. Hein. Ah, sérieux, c'était bien parti cette fois. Est-ce que j'aurai des anneaux? LOL, les gens adorent que j'aille dans les anneaux. Est-ce que j'ai des anneaux un peu sympas? Augmente la génération de santé, ça je m'en branle. Bouclier, je m'en branle. Après 7 secondes sans avoir subi de dégâts, je m'en fous. Ouais, vas-y, je m'en branle. qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux le faire? J'étais bien parti là. Hein. En réalité. Oh, ils sont de plus en plus, c'est un truc de ouf ça. Attendez, il faut que je. Je m'occupe d'eux. Et où l'autre? J'avais vu qu'il y en a un autre. Est-ce que c'est intéressant de les tirer au sniper? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout intéressant de le tuer au sniper. Ce serait pas intéressant de prendre une grosse batteuse. Est-ce que j'ai pas une grosse batteuse? J'ai quoi dans mon inventaire? Est-ce que je peux aller acheter une grosse batteuse? Oui. On peut aller faire ça. On peut aller essayer d'aller un petit peu rigoler. Je sais pas, on peut s'amuser quoi. Au revoir au service 13. Oui. Les vestiges pourrissants. Un jour, dans très longtemps. D'accord. Les horreurs aujourd'hui ne seront rien de plus qu'un souvenir lointain. Je ne peux qu'espérer que les gens de demain se souviendront des sacrifices et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Batteuse. Jean-Marc vend des armes. Arrête de tirer, parle-moi. Ouais. Ouais. Ah putain, attends, mais t'as plein de trucs. T'avais pas autant de trucs t'as avant, si? Le point américain, ouais. Chargeur 150, dégâts 12. Ouais, mais est-ce que ce serait pas, genre, un peu drôle? Le bulldog. Il fait plus de dégâts. Moins de précision. Moins de munitions max. Le Wrangler. M'en fous. Le fusil de défense. On va prendre ça. Déjà de une. Ouais, d'accord. Fais gaffe à toi. Oui, allô. Tu sais jamais à qui tu peux faire confiance ici. Alors ta gueule. Je peux pas confiance à toi. Alors fais voir ça. Fais-moi voir ça. À peu près à cette distance, hein, je dirais. Oh, le temps de recharge, toi. Mais ça surchauffe. Après, je tirerais pas comme ça non plus comme un débile. Est-ce que j'irais pas l'améliorer? En vrai, c'est pas mal comme arme. Le problème, c'est la recharge. Théma, le temps que ça recharge. Bon, ça devrait être. Salut, Waf! De toute façon, lui, je peux pas du tout l'améliorer. Alors que lui. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, j'améliore une arme. C'est. Tout est normal. Ne vous inquiétez pas. Alors, on faisait combien? On faisait 60 par coup. Là, on ferait combien par à peu près? J'en ressors à cette distance-là, elle était bien cette distance. Eh, ça fait pas mal de dégâts, Sartek. Bref, faut tirer que dans... Ouais. Ok. Je recharge un coup, j'essaye d'encore, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal non plus quand même. Bon, je pense qu'on est déjà pas bien parti là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on est lent avec cette arme-là? Je pourrais lui mettre des mutagènes? Oh oui, ben oui. Oh bah attendez, on va se préparer un minimum. Oh bah on va carrément se préparer un minimum. Oh, ça va être la grosse, le gros F dessus là. Oh, la batteuse là. Alors un instant. Hop là. Inspecter R. Right mouse button. Oui. Modificateur. Ah putain, mais c'est vrai, j'ai tous ces modificateurs de con là aussi.
Explosion astrale. Tire une courte salve de 7 fragments d'étoiles qui infligent 35 dégâts chacun. Vraiment ricoche sur les parois jusqu'à 3 fois, infligeant 35% de dégâts supplémentaires par ricochet. Tire une spirale de missiles. Feu à volonté. Ça, c'est ce que j'ai sur l'autre, je crois. Ouais, je suis désolé, mais là, on va tout foutre là-dessus. Hein. On va tout foutre là-dessus. Du coup, le mec qui va être à gauche, on va le tuer avec le petit pistolet. Pas de près. Y'a personne. Allez, c'est parti. On m'a tiré dessus, par derrière. Je le savais. Il y avait personne. Putain, mais alors ça... Et putain, mais ils sont partout ces... Oh, cochon. Faut que je charge. Il me laisse pas le temps de prendre moins et Starblast c'est vraiment une idée de con. Hein. Non, franchement, je pense que j'aurais pu faire mieux s'il y avait pas les autres connards sur le côté. C'est incroyable, pourquoi ils ont spawn comme ça? Puis c'était pas qu'un petit peu, il y avait du monde. Hein. Ok, c'est pas le moment de paniquer. Là, je vais être tranquille, normalement. Bon, je suis tranquille. Recharge. Ils sortent de n'importe où, ces fils de pute. Mettez-leur la misère.
Allez, allez. Putain. Pas possible d'être aussi gros fils de pute, hein. Ah, je sens que je l'aurai jamais, ce boss de con. C'est bon, je serai tranquille. Putain. Et allez. Oh putain, j'ai... Je l'ai entendu. L'autre salope, elle a parlé. L'autre salope, elle a parlé. Et je suis un putain de fils de pute. Là, faut que je retourne faire le ménage à gauche parce que c'est des enculés. Sinon, je vais faire le combat de l'autre côté, en fait. Allez, je vais essayer de faire ça. On peut pas être tranquille, de toute façon, c'est un truc de fils de pute. C'est pas mal, là. Attention, double attaque. C'est un putain de sac. Hop là. N'importe où dans ce putain de Spark. Ils sont tous là. Ah mais je vais faire le tour. Je suis obligé de faire le tour. Faire le tour de les putains d'ennemis de fils de pute. Je peux être tranquille. Je peux me battre. Tu sais quoi, j'ai regardé qu'il y a pas un truc qui me booste la puissance là. Gros noir. Explose sur un rayon de 4,2 mètres, infligeant 60 dégâts de couronné. Putain. Source de feu, enflamme les cibles, coup couronné, infligeant des dégâts de 500. Attends. Hop hop hop. Pas mal ça. Les relations de puissance de mode. En vrai utile, mais. Là, pas vraiment. Saignement, il me fait pas de saignement, il me fait du poison, putréfaction, du coup c'est pas utile. Manque ça. Ah non, ça dissipe.
Alors là, j'ai un autre, une autre façon de penser. Alors, et peut-être. Merde. Bah oui, bah vas-y! Ça me pète les burnes. Ça me pète les putains de burnes. C'est quoi? Mais oui, bah, si. Mais tu vas recharger ? Putain, j'ai pas eu le deuxième. Alors toi. Wow, la vie de ma mère. Et c'est parti. Putain de putain. T'es qu'une sale pute, merde. Ça sert à rien, personne t'aime. T'es pas tombé sur un cheval. Oh bah vas-y, bah fais même plus ton invocation. Hein. Putain, fils de pute, enculé, t'es mort. Va te faire enculer, grosse merde, va. Ça qui est plein. Personne t'aime. Ça rentre. Putain. Explosion. Oh, ça m'a cassé les couilles, C'est même pas lui qui me cassait les couilles. Non, mais je vous dis, c'est quoi qui me cassait les couilles? Vous savez très bien. Ces autres pégus à côté, là.
Putain. Oh, j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure, hein, casse les couilles. Oh, c'est où la suite là? Donnez-moi un putain de cristal de merde là. Oh. Je le savais, je savais que ça ferait des dégâts, putain, j'ai toujours dit. Oh, c'est pas le moment de me faire chier, quoi. C'est qui, c'est quoi, c'est où? Ah oui, mais oui. Puis moi je m'appelle fils de pute aussi. Grosse merde là. Hey, des plus de munitions. Putain. Donne-moi un putain de terbong là avant que je pète un câble. Oh putain, oh j'en ai ras le cul, vraiment. Ah là faut qu'on finisse vite. Ta gueule, ta putain de gueule. J'ai speedrun un caillou là, j'en ai rien à foutre. Ta gueule. Toi, si tu m'amènes pas un caillou, je te pète la gueule. Oh, j'ai mal au corps. Je vous jure, j'en ai mal au corps. Oh, vous avez dû rien comprendre. Vous avez sûrement dû rien comprendre du tout, là. En tout le combat. Quand je gueule, apparemment, ça explose, le micro. Oh, putain, j'en ai mal. J'en ai mal, vraiment, j'ai mal. Bon, moi je vous dis, abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis on se retrouve vendredi pour l'épisode 27, du coup. Et je ferai un petit épisode parce que celui-là est long. Du coup, bisous, bisous. Allez, ciao, ciao.